Ses succès à la télé, ses liens avec la famille Chirac, la politique. Frédéric Mitterrand a accepté de se confier dans l'émission chez Jordan. Invité le 1er juin, l'ancien ministre de la Culture est ainsi revenu sur bon nombre de sujets mais n'a pas apprécié qu'on en remette un sur la table, celui du scandale de la Thaïlande. En effet, lorsque l'animateur Jordan Deluxe a évoqué Marine Le Pen, il n'a pu s'empêcher de revenir sur les accusations de cette dernière, ce qui a beaucoup agacé le neveu de François Mitterrand. Elle vous avait attaqué par rapport à cette histoire de Thaïlande, ça vous a fait du mal? Vous avez porté plainte? Lui a demandé Jordan Deluxe. Non, ça ne m'a fait aucun mal. Ce qui me blesse si esti quand on y revient à toute vitesse comme on est en train de le faire parce que tout d'un coup on mélange tout. A répondu Frédéric Mitterrand. Puis, il s'en est pris à Marine Le Pen. Elle était dans son truc politicien. Je vous ai dit, ce ne sont pas des bisounours. Ils attaquent là où ça peut faire mal. En l'occurrence, sur le moment ça faisait mal mais en fait ça m'a rien fait. Sur le fond ça ne m'a rien fait parce que je n'ai rien fait de mal. Donc qu'est-ce ce qu'ils viennent me chercher? Je les emmerde. A balancé Frédéric Mitterrand. Si est-il ce que vous répondez aujourd'hui à Marine Le Pen? A alors questionné Jordan Deluxe. Si est-il ce que je réponds à Jordan Deluxe quand il revient sur le sujet? A surenchéri l'invité. Faut bien que je vous titille un petit peu, s'est défendu le principal intéressé. Frédéric Mitterrand poursuivi par sa phrase choc. Pour rappel, en 2009, Marine Le Pen accusait Frédéric Mitterrand de faire l'apologie du tourisme sexuel en Thaïlande. Elle pointait notamment du doigt ses écrits. Le ministre de la Culture a écrit en 2005 un livre qui s'appelle « La mauvaise vie » dans lequel il décrit, par les menus, la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais. Avait-elle déclaré. Une référence à l'extrait suivant, « La profusion de jeunes et garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'aille plus besoin de réfréner ou occulter, l'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système.